Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, faut t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les quatre plateformes. Et encore, je laisse mon numéro WhatsApp à travers ça. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger aussi. Bref, aujourd'hui, bon, ce sont des jeunes maliens, voilà. Et aussi, il y a des parents aussi qui sont bloqués au Mauritanie. Bon. Ceux qui sont bloqués, les gars disent qu'ils sont plus de 400 000 personnes. 400 000 personnes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment 400 personnes, ce n'est pas 300 personnes, mais ce n'est pas 2 personnes ni 50 personnes. 400 000 personnes, mais c'est énorme. Donc, ils sont venus devant l'ambassade pour se plaindre. Vous-même, vous allez écouter ce que les jeunes vont parler. Et à travers ça, on va parler à Assimi Goïta et au peuple malien. Voici la vidéo. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le jeune homme là a dit. Il dit qu'ils sont bloqués, donc ils ont besoin d'aide. Mais moi, je trouve que c'est vraiment triste de voir des 400 000 personnes maliennes qui sont bloquées au Mauritanie. Parce qu'ils ne sont pas allés comme cela pour dire qu'ils vont rester au Mauritanie. Non, soit ils étaient en Algérie, ou soit ils étaient au Maroc. Ils étaient dans les autres pays, Maghreb, et on les a refoulés. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, on vous refoule en Mauritanie. Donc, c'est pour cela, les gars sont fatigués. Donc, les gars veulent se retourner. Mais il n'y a pas de l'aide. J'interpelle le peuple malien. Il est temps d'indexer Assimi Goïta, le président, son excellence Assimi Goïta, pour que vraiment il puisse aider ces gens qui sont bloqués au Mauritanie. Parce que ce n'est pas facile. Là-bas, là, tu vas voir, pour manger, c'est un problème. Pour se laver, mais c'est un problème. Donc, j'interpelle peuple malien. Il est temps. Affaire des Ivoiriens, 49 personnes bloquées, pour dire à la Sambe, fait coup de laisser ça là d'abord. Voici un sérieux problème qui est là. Voici un sérieux problème. Parce que si tu négliges ça là, ça peut te rattraper. Comment ça peut te rattraper? Si cela descend à la colère, les gars peuvent faire marche à travers ça. Les gars peuvent envoyer encore. Les gars peuvent mobiliser leurs frères, les amis pour faire les marches. Ça va gâter toi et ton pouvoir. Voici les djihadistes qui, matin, midi, soir, les Boko Haram, matin, midi, soir, ils sont attaqués ton pays. Et cela encore, s'ils viennent se réajouter encore là, voici un sérieux problème, un dégât, ça va faire. Donc, s'il vous plaît, vraiment, partagez la vidéo pour que lui-même puisse voir, même ses collègues puissent voir la vidéo pour dire oui, il y a des Maliens qui sont bloqués en Mauritanie. Parce que nous qui sommes à l'étranger, quand c'est pas pour nous qu'ils ont fait quelque chose qu'on les a refoulés. Non, souvent tu es là, ça peut les prendre, ça pique dans la tête. Tu es là, peut te prendre comme ça, tu es dans la rue, on peut te prendre. On te melote, on te met dans le bus. Va où? Voilà. Donc c'est un truc comme ça qui arrive surtout dans les pays maghreb, quel que soit Libye, là, on te met en prison. Voilà, Libye, là, on te met en prison. Mais Algérie, Tunisie, non, pas Tunisie, Algérie, Maroc, tout cela, eux te jettent même en Mauritanie. Donc, j'aimerais dire aux gens que faisons très attention. Voici cette vidéo-là. Prenez ça, vous allez alerter au moins la communauté malienne. Surtout le président malien, mais les gars ne vont pas prendre ça pour faire ça. Ils vont parler de ça, ils vont parler d'autre chose. Où on dit oui, c'est Alassane, tu veux faire coup d'État, c'est Alassane, tu veux faire ça, là, 49 personnes, etc., etc. On veut la souveraineté. Quelle souveraineté vous voulez? On est dedans, oui, le Mali, oui, Mali, on veut être fier. Qui n'est pas fier de son pays? Qui n'est pas fier de lui dans ce monde ici? Chacun est fier à sa manière. Donc, il y a des trucs, quand vous faites là, pensez aussi à vos populations. Parce que quand vous êtes en haut là-bas, vous êtes à l'aise là,
Regardez un peu en bas. Oui. Vous dites, là, ça ne va pas en Afrique. Oui, ça ne va pas. Pourquoi? Il y a des gens, quand ils viennent au pouvoir, eux veulent vraiment manger ceux. Mais c'est ça, tiens là. Un militaire, quand un militaire vient au pouvoir, c'est un problème. C'est un sérieux problème dans la vie. Il dit, un jour, je ne souhaite pas ça. Mais si ça continue comme cela là, un jour, lui-là-même, il va quitter au pouvoir. Mais si ça continue comme ça, mais si vraiment, il n'a qu'à aller doucement, il n'a qu'à penser aussi à la population qui souffre. Il faut pas, ils vont se brancher ici pour dire non que oui, on va avoir un groupe, on va faire ta manger, etc. Toi-même, tu as été condamné toi seul. Il y a les sanctions mais qui viennent ici Mali à chaque fois, matin, midi, soir. Mais les gens ne savent pas. Ils seront te coincés, 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 coincés. Un jour maintenant où toi tu vois que tu n'as plus d'espace même là, tu laisses. Tu vas laisser comme ça, ils vont frapper, l'ennemi va frapper. Donc, Assimi Goïta, il est temps de te ressaisir. Essaye autour de toi, ceux qui sont là-bas, là, les gars te donnent conseil, mais ce n'est pas tous les conseils, toi aussi tu peux accepter. Il faut trier ce qui t'est bon pour ton pays, là, il faut accepter. Parce que là, quand ils vont lancer mandat d'arrêt, c'est toi qu'ils vont prendre. Voici Gbagbo, quand ils ont pris Gbagbo à Blé-Goudé, les autres qui étaient là, est-ce qu'ils sont allés à la haie? Non, non, non. Ils ne sont pas allés là-bas. Donc, ça veut dire, toi, s'ils ont lancé mandat d'arrêt, c'est toi qu'ils vont prendre. À ceux qui sont à côté clé, là, ils vont vous ramasser. Donc, il est temps de te ressaisir. Il est temps. La population a faim. La population souffre. Vous voyez les djihadistes, matin, midi, soir. Les gars vous attaquent. Mais vous êtes concentrés sur la Côte d'Ivoire. Oui, vous voulez vivre. Alassane Nakadi dit oui, que c'est un coup d'État qu'on est venu faire. Il y a des trucs qu'on ne dit pas. Il y a des trucs qu'on ne dit pas. S'il a vraiment, si Alassane, il sait qu'il allait faire, les 49 personnes sont allées faire coup d'État là. Là, lui, il peut dire oui, qu'ils sont allés faire coup d'État. Mais lui, il dit qu'ils ne sont pas allés faire coup d'État. Mais pourquoi vous voulez mettre ce fardeau là sur sa tête pour qu'il puisse déclarer pour dire oui, les 49 personnes sont allées faire coup d'État? Non. Faut regarder tes Maliens qui sont Mauritaniens. 400 personnes. Ce n'est pas du jeu. C'est dit, là même, là, le pays, mais c'est chaud. Imagine-toi, ceux qui sont Mauritaniens, d'au moins 400 personnes. Et Maroc, et dans les pays maghrébins, imaginez-vous combien de personnes. Algérie, même eux, mais sont Sokoto. Algérie, ils sont beaucoup comme ça. C'est les Sénégalais qui sont beaucoup au Maroc. Mais les Maliens, en Algérie, ils sont beaucoup. Donc, il est temps d'interpeller vraiment l'ambassadeur du Mali au Mauritanie. Pardon, il faut avoir pitié. Vous pouvez avoir deux avions, mais ramasser sur tout cela. Aller-retour, les gars peuvent faire la navette pour ramasser tout cela. Ça va, toi-même, ça va t'aider. Parce que quand c'est comme cela, toi-même, l'ambassade même est menacée d'abord. On peut attaquer. Brûler tout là-bas, faire des conneries là-bas. Donc, j'ai vu la petite vidéo et dit, je vais parler pour interpeller le peuple malien. S'il vous plaît, c'est vos frères qui sont bloqués au Mauritanie. C'est vos frères, c'est vos soeurs, parce que ce ne sont pas les hommes seulement. Réfléchissez un peu. Mettez un peu d'eau dans votre verre pour aider surtout plus de 400 000 personnes. Vous allez aider ceux-là. Parce que les gars souffrent. Ils ne sont pas dans les pays. Moi, s'ils étaient dans les pays, on peut comprendre, mais ils ne sont pas dans les pays. Et dans ceux-là, je sais, vous avez un grand cœur, peuple malien. Aidez vos frères. Aidez vos frères à quitter là-bas. Parce que vous ne savez pas ils sont dans quelles conditions. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Vous pouvez me trouver sur les quatre plateformes. Et je vous dis merci beaucoup. Likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez les commentaires. À travers, quand vous vous abonnez là, ça me réjouit, ça, je suis content. Quand vous laissez les commentaires aussi, mauvais ou bien ou, je regarde tous vos commentaires. Je reçois ça. Voilà, tous vos commentaires, je reçois ça. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire non. Lui, il cache son message. Non, il y a des messages YouTube me crie. Et puis, ça vient chez moi.
Voilà. Donc, je vous dis ciao, ciao. À bientôt.